aujourd'hui, ça suffit pas forcément. Ludo, t'es là? Très bien joué. T'es pas là? Un autre coup que j'aime bien. Ah, mais t'es là, mec, qu'est-ce que tu fous dans le on voit sur le visage de Dinara Safi. Oh, tu dors? Les marques de l'effort physique, autant on a l'impression qu'Anna Ivanovic est totalement frais. Exactement, c'est ce que j'ai remarqué il y a deux pour. Putain, je le crois pas, quoi. Pizza surgelée. Pizza surgelée, alors qu'on a une super pizzeria 2 minutes d'ici. Je me demande à quoi ça sert que je te répète ça à chaque fois, t'écoutes jamais rien. Et là, je me demande bien ce que t'as pu foutre de ta journée. Enfin, je veux dire, à part dégueulasser le salon, alors que moi je me tue au service, courir comme un taré. Enfin, je te jure, des fois je me demande ce que je fous encore. Mais... Tu crois qu'il se réveillerait en plus? Même pas. C'est sûr que ça doit être vachement difficile de regarder une de ces séries à la con toute la journée sans rien foutre. T'en sais rien, hein. Si ça se trouve, il a bossé. Tiens, rien. Je suis sûr qu'il a même pas envoyé le mail que je lui ai écrit. On va voir ça. Ah, mauvaise langue. Il l'a fait. Pas pour moi, j'ai rien dit. Eh, mais il te dit réponse en plus, tiens, fais-moi. Bonjour monsieur, merci de l'attention que vous portez à notre galerie, mais notre programme d'exposition est déjà complet pour cette année. Ah merde. Bonjour, blablabla. Nous vous remercions de votre intérêt pour notre collection, mais votre travail semble correspondre. Et c'est tout. Sérieux, pas d'explication. Bonjour, votre style est intéressant, mais semble manquer de cohérence entre les œuvres que vous proposez. Nous sommes au regret. D'accord, super. Tiens, fais voir celui-là. Bonjour, notre galerie accueille principalement des artistes venant d'Amérique du Sud. Et bien que votre travail soit intéressant, blablabla. Quoi, c'est tout? Ah, y en a pas un seul qui a accepté, quoi. Oui, mais c'est bien d'avoir changé, c'est bien. Elle a pas remis une balle enroulée ou à plat. Elle a rejoué un slice. Il aurait peut-être. Et on l'a vu, Anna ne sait pas toujours bien jouer ces balles-là parce qu'il faut beaucoup descendre sur les jambes. Et à ce moment du match, quand on est un peu tendu, un peu fatigué, bah, c'est plus compliqué. C'est bien de changer de rythme, c'est bien de changer d'effet. Aujourd'hui, ça suffit pas forcément. Ah, y en a un peu trop. PS, bande d'enculés. C'est ça qu'on aurait dû signer, mec. Et autant on voit sur le visage de Dinara Safina les marques de l'effort physique, autant on a l'impression qu'Anna Ivanovic est totalement frais. Exactement. Ça s'affolait. Elle a parfaitement pris son temps, Dinara Safina, pour fixer son adversaire et jouer dans le côté ouvert. Elle revient à hauteur. La Russe, et on s'approche de ces fameux points importants dont vous parliez, Marie. Bonsoir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je viendrai vous mettre une petite couverture pendant votre sommeil. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook ou sur la chaîne YouTube. Et surtout, nous vous rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, surtout si vous pilotez une montgolfière avec le Père Noël.